là, c'est celle de Zouzou. Et là, c'est celle de Bibiri. Et là, regardez, c'est Gros Cuf. Ils ont tous signé sur mon ballon. Tu as trop de la chance. Dis, comment t'as fait? Bah, après le match, mon père, il m'a amené voir les joueurs. On a même échangé quelques passes de ballon après. Eh, je peux voir? Oh. Lucien, c'est un objet de collection et ça vaut une fortune. Ouais, mais ça reste un ballon. Et les ballons, c'est fait pour jouer avec. Hé, hey, rends-le-moi, tu vas me l'abîmer. Hé, hey, attrape. Oh. Oh. Gros, mon ballon. C'est pas vraiment mon ballon, c'est à mon père. Et je lui ai emprunté sans trop lui demander. S'il s'en rend compte, je vais être privée de sortie pendant au moins 70 ans. Il suffit juste de demander très poliment au voisin, il te le rendra, non? Tu rigoles ou quoi? Tout ce qui tombe dans son jardin disparaît à tout jamais, un peu comme dans un trou noir. C'est des histoires tout ça. Moi, en tout cas, il me fait pas peur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais il semblerait que le ballon d'un ami soit tombé chez vous. Serait-il possible de le reprendre? Tout ce qui tombe dans ma propriété devient ma propriété! C'est fou, cette incivilité! Quel sale type, je veux dire. T'inquiète pas, Axel. On va te le récupérer, ton ballon. Même s'il faut entrer de force chez le voisin. Greg, c'est à toi de jouer maintenant. Sur la gauche. Non, 10 cm plus loin. Voilà, tu y es. Avance d'un pas sur la droite maintenant. Et repars. Non, pas en arrière. Je voulais dire repars à droite. Oh, ça va chauffer pour moi à la maison. Je vais me faire ratatiner par mon père, c'est sûr. T'en fais pas, Axel, j'ai un plan pour qu'on puisse rentrer dans la maison. T'es sûr que tu veux entrer là-dedans? Il a sûrement mis des pièges partout et on va se faire capturer. Hé, hey, on est la bande des menuisiers, oui ou non? Je vais avoir besoin d'un gros coup de main, les copains. Bah, justement, Marion, je me demandais, c'est quoi ton dentifrice? Plutôt jus de chaussette ou poisson pourri? Oh, qu'est-ce que t'es méchant! Sérieux, t'as vraiment une haleine de putois! Venant de toi, Greg, c'est franchement pas un compliment. Mais il tombe de la graine! Mais pauvre chérie! La voie est libre! Quand faut y aller, faut y aller! Y'a personne! Vous pouvez descendre maintenant! Le ballon est derrière cette porte. Allez le chercher. Moi, je me charge du poisson. Élastofeuille. Oh non, c'est un piège. J'en étais sûre. On peut dire que notre méchant voisin est resté un grand enfant.
C'est encore plus beau que dans un magasin de jouets. C'est le ballon d'Axel. Tous ces jouets appartiennent à des enfants. Il faut les sortir de là pour les rendre à leur propriétaire. Petit, petit, petit. Le voisin, il revient, il ne faut pas traîner par ici. Je vais le ralentir. Ils sont à moi! À moi! Rendez-les-moi! Petit, petit, petit! C'est le moment de mettre les gaz, proto-propulsion! Maintenant, on sait ce que ressent le Père Noël. Merci les copains, je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Ouais, mon yo-yo. Et ma corde à sauter. Hey, on dirait qu'il n'y a pas que le voisin qui a gardé une âme d'enfant. Regardez-les. Allons les enfants, je suis sûre que Rick va se rattraper sur les autres épreuves. Ne te décourage pas, Rick. Tu sais bien que l'important, c'est de participer. Et puis, il reste encore un match de basket à jouer. Du basket? Oh non! Oh! La maîtresse a raison. Faut pas que t'abandonnes maintenant. Ouais, en plus, t'es super doué pour le basket. À quoi bon? Oh! Je n'arrive pas à me débarrasser du hockey. Oh! Et en plus, tout le monde va encore se moquer de moi. Pas cette fois, Rick. On va t'aider à faire passer ton hockey. C'est vrai. Mais comment? D'après mon encyclopédie, il est possible de combattre le myoclénie phrénoglottique. Enfin, le hockey. Pour cela, il faut calmer les contractions du diaphragme. Par exemple, on peut essayer de boire à l'envers. De bloquer sa respiration. Dernière solution, avoir une grosse frayeur. Il a disparu. Et Mookie aussi a disparu. Ça, c'est génial. C'est pas vrai. J'abandonne. Personne voudra jouer au basket avec moi de toute façon. Si, nous, on va tout faire pour gagner. Et personne n'osera se moquer de toi. Où est-ce que
tu vas comme ça, monsieur Prout? Hey! Abandonner avant que je vous mette encore plus la honte. Sûrement pas. Ce match, on va le finir tous ensemble. Mais à la façon de la bande des mini-justiciers. Mais Elliot, même avec nos pouvoirs, on gagnera pas. Qui te parle de gagner? T'es prêt, Rick? On va se détendre et s'amuser. Alors, voilà ce qu'on va faire. Madame, madame, venez voir vite, il y a une fuite d'eau dans les toilettes. Faut que quelqu'un répare ça. Maintenant, à nous de jouer. Oh. Oh oh. On dirait que certains joueurs ont changé de maillot. C'est la bande des mini-justiciers. J'en connais en face qui la ramène moins, hein. Super Prout est là, il va remonter le niveau. Tout va bien, les enfants? C'est le match le plus spectaculaire que j'ai jamais vu de ma vie. Bravo, la bande des mini-justiciers! Allez, amuse-toi! Mais quel panier! Hic-hic-hic, hurra! Quel match! Je suis épuisée. C'était la dernière fois de ma vie que je touchais à un ballon. C'était génial! Vous savez, on pourrait carrément devenir des stars mondiales! Bon, quand est-ce qu'on reprend l'entraînement? C'est-à-dire que faut qu'on aille faire nos devoirs. Allez, salut! Attendez, on est trop fort! Faut pas gâcher ça! Revenez! Retrouver ton camion de pompier, mais arrête de pleurer, s'il te plaît. Je te l'avais prêté, tu l'as perdu. Mon camion de pompier.
crois un peu, je restais à la porte. Tu n'as pas remis les clés dans mon sac. Et pourquoi? Jean-Louis, où as-tu posé la télécommande? C'est pas moi qui perds les affaires. Je suis sûre qu'il y a un voleur et il se cache dans ma maison. Mais pourquoi il vole vos jouets? Et pourquoi la télécommande? Et pourquoi pas, hein? S'il y a bien un voleur, il a certainement laissé des indices. On va mener notre enquête. Comme dans les films de détectives, on va l'attraper. Super, merci! Un voleur, ça laisse forcément des traces. Voyons ce que nous dit mon filtre vert qui détecte les empreintes digitales. Alors celles-là, ce sont tes empreintes, Jean-Louis. Les empreintes de ta maman. Là, le chat. Encore Jean-Louis. Tiens, qu'est-ce que c'est? Oh. Ah oui, le hamster. Et là, des empreintes de poisson rouge. Et par là? Ah non, ce sont les empreintes de ton petit frère. Oh. Aucun indice d'or. Il est pas entré par derrière. Oh. Oh, c'est Nathan. Il a peut-être coincé le voleur. C'est pas le voleur qui l'a coincé. Alors, tu tiens une piste? Un indice? Un truc? Rien du tout. La serrure est intacte. Le voleur n'a pas forcé la porte, c'est sûr. Je ne comprends pas par où il entre ici. Les objets disparaissent la nuit pendant que je dors. Pourtant, ma porte est fermée. Il y a forcément une explication. Peut-être qu'il rentre par un passage secret. Tu ranges quoi là-dedans, Jean-Louis? Des haltères? Petit, petit, petit. Il n'y a rien, aucune porte dérobée. Rien qui ressemble de près ou de loin à un passage secret. Eh ben au moins j'ai retrouvé mes chaussettes. Peut-être que c'est pareil pour les objets disparus. Tu les as mis quelque part et tu te rappelles pas où c'était. Non, c'est pas moi, j'en suis sûre. D'accord, le voleur vient la nuit quand tout le monde dort. Passons maintenant au plan B. On va le prendre la main dans le sac. Jean-Louis est endormi et la paix est bien en place. Pas de voleur en vue pour l'instant. C'est impressionnant! On entend même les ronflements de Jean-Louis. Je ne savais pas que tes lunettes permettaient d'avoir le son en plus. Moi non plus. Alerte rouge! Le voleur! Je le vois! Le dinosaure a disparu! Le voleur est juste là! Regardez, sur le toit! Super Prout à la rescousse! Vous allez jamais me croire! Le voleur, eh ben c'est Jean-Louis! Quoi? Il est somnambule, ça veut dire qu'il fait des choses pendant son sommeil. Vous voyez, je vous l'avais bien dit, pas de voleur. En réalité, c'est Jean-Louis qui prend les objets. Je vais le réveiller! Non, Marion! On n'a qu'à le suivre pour qu'il nous montre où il cache les objets perdus. Faut espérer qu'il ne s'assomme pas avant. Patty, Patty, Patty! Plus être très loin là. Hey,
il est pris la main dans le sac. Hé, attention, Brute au réveil. Hein? Qu'est-ce que je fais là, moi? Et vous? On a une bonne nouvelle pour toi, Jean-Louis. On a retrouvé ton voleur. Vraiment? Mais qu'est-ce qu'on fait là, hein? Eh ben, on a une mauvaise nouvelle. Tu es somnambule et le voleur, c'est toi. Faut voir le bon côté. On a tout retrouvé. Tes parents vont être super contents. Et moi, j'ai une super idée pour arrêter ton somnambulisme. Tout va très bien se passer maintenant. Tu vas voir. Tu sais, moi, le sport. Non, je préfère mon livre sur la physique des chocs. La quoi? C'est ce qui fait que quand un truc te rentre dedans, eh ben, tu tombes par terre. Enfin, c'est le cas des gens normaux. Franchement, non mais c'est vrai, c'est pas un terrain de foot, c'est une piste de cross, il y a des bosses partout en plus, on a la pente contre nous alors forcément on loupe des passes. Non, moi je joue pas dans ces conditions. N'importe quoi, quel mauvais joueur celui-là. Mais dis ce que tu veux, je m'en fiche, mais si on avait un terrain de foot normal, on serait imbattable. Hé, tu veux parier pour voir si t'es imbattable? Mon équipe contre la tienne, sur un vrai terrain de football. Et si nous, on gagne, vous ferez nos devoirs pendant toute l'année scolaire. C'est d'accord, on se voit demain au stade de foot. Hé, hey, t'es devenu fou quoi? L'équipe de gros loups, ils gagnent toujours, tout le monde le sait. Mais non, parfois, ils perdent. Ouais, t'es sûr, ben l'heure de voir, tu les feras tout seul puisque t'es si malin. C'est sûr que Gros Loup va les battre. En plus, il triche tout le temps. Mathias l'a cherché à dire n'importe quoi aussi. Fallait pas faire croire qu'il est plus fort qu'en vrai. Aïe, ouïe, aïe, ouïe. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour l'aider? On peut quand même pas jouer à sa place. Non, mais on peut s'arranger pour que l'équipe de Gros Loup soit un peu moins balèze. Pachi, pachi, pachi. Ah! Pachi, pachi, pachi. Pauvre Mathias, une année entière de devoirs pour ses affreux gugus. Il n'aura plus jamais le temps de jouer avec nous. Vous pouvez gagner tranquille. Ils sont crevés. Ils ont passé une toute petite nuit. Quelle nuit pourrie, franchement. Et moi, quand j'ai pas assez dormi, je suis vraiment d'une humeur de chacal enragé. Ouais,
Ouais. Par là. Hop. Ouais. 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 Raté. Venez les gars, on va se prendre un truc à boire parce que ça donne soif de leur mettre une raclée à cette bande de losers. Imbattable, tu parles. Excuse-nous Mathias, mais on n'a pas envie de finir à l'hôpital nous. Faut qu'on fasse quelque chose pour Mathias. Oui, je suis d'accord avec toi. On va finir le match avec Mathias. Super. Hé, attendez une minute, je sais pas jouer moi. Tu es vraiment mal placé pour parler de triche. Il se la pète déjà moins maintenant. Ah, c'est comme ça. Eh bien, vous aussi, vous allez prendre une belle raclée. Elasto, papier de pliage. Bravo, tu connais rien du tout en sport. Ouais, bougez-vous au lieu de vous disputer. Rudo Populismo. Hey. Bravo! Au fait, les premiers à marquer 4 buts ont gagné le match. Oh non, on n'a pas fait tout ça pour rien. Mais c'est quoi ce brouillard? Passe. Tu es sûr? Non, c'est le mauvais sens. Avec la bande des mini-justiciers, évidemment. Eh, vaut mieux pas qu'ils fassent tes devoirs pour toi. Sauf si tu veux toute une année de mauvaises notes, hein. T'es vraiment trop fort, Rock. Oh, merci les gars, mais je dois encore m'entraîner. Il faut que je sois au top si je veux être pris dans une équipe professionnelle. Écoutez, à partir de maintenant, c'est moi qui fais la loi. Alors débarrassez le plancher. Je vois pas pourquoi on t'obéirait, Cowboy. Parce que si vous le faites pas, on transforme tes petits copains en chili con carne.
je ne peux plus m'entraîner, je peux dire adieu à mon rêve. Je ne serai jamais basketteur professionnel. C'est vraiment trop pas juste. On ne va pas les laisser faire la pluie et le beau temps, hein. Ça se passera pas comme ça, gros loup. Une petite seconde, tout le monde. Je suis sûre qu'avec une bonne explication, ça peut s'arranger. Il ne joue même pas. Laissez-moi faire. Excusez-moi, les garçons. Comme vous ne jouez pas sur ce terrain, vous ne voudriez pas aller écouter votre musique ailleurs parce que Rock doit s'entraîner ici. Excuse-moi, Miss Binoclard, mais on est très bien ici. En tant que shérif, j'ai décidé d'en faire mon nouveau quartier général. Point final. Vous avez intérêt à déguerpir, sinon je vous mets mini, compris? Hé, hey, les gars, regardez la mini-porte qui s'énerve. Petit, petit, petit. Oh, 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 oh. Vous allez goûter à mon nuage toxique. Tu peux te lâcher tant que tu veux, super pu des fesses. Ça nous fait ni chaud ni froid. Laisse tomber, Greg. Vous ne perdez rien pour attendre, c'est moi qui vous... Oh là là, je ne pourrai plus jamais me servir du terrain, c'est nul. Une petite seconde, j'ai peut-être une idée. Alors, vous en pensez quoi? C'est parfait, tu ressembles à une vraie squaw. Ça ira? Bien sûr, le plan est clair comme un ciel sans nuages. 3 pas vers la gauche, 2 pas vers la droite. Qu'est-ce que c'est que cette tenue, Pocahontas? Tu veux peut-être nous faire une petite danse de la pluie? Ce terrain de basket a été construit sur le site d'un ancien cimetière indien. En tant qu'arrière-arrière-arrière petite-fille du chef de la tribu Poney Cruel, enterrée ici, cette terre m'appartient. Je viens la reprendre au nom de mon peuple. Un cimetière indien dans cette ville? Tu nous prends vraiment pour des imbéciles ou quoi? Hein, gros loup? Tu peux dire à ton copain Rock qu'il peut oublier le basket et se mettre tout de suite au tricot. Jamais on lui rendra le terrain. Préparez-vous à subir la vengeance de mes ancêtres. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des signaux de fumée. On y va. Faut que je te dise un petit truc, Marion. Tu sais, ton costume, il est vraiment moche. En même temps, il n'y a jamais rien qui lui va. Vous êtes trop méchant. Oh là, oh. D'ici, vite. Non, on n'ira nulle part, compris? Cette histoire de vengeance, c'est rien qu'un piège pour les gros bébés. Le grand chef Poney Cruel n'est pas content du tout. Poney Cruel va vous scalper pour vous apprendre à le défier. Petit, petit, petit. Ah, au secours, je veux pas maman. Pardonnez-nous, par pitié, on fera tout ce que vous voulez. Bon, vous devez quitter ces terres sacrées et laisser ma descendance et ses amis s'y installer comme ils le désirent. Et vous devez aider Rock à s'entraîner. Oui, oui, promis, on fera tout ce que vous voulez, Poney Cruel. Bienvenue, ô fille de Poney Cruel, on est à tes ordres. Hmm.
très chaud. Je mangerai bien une mini crème glacée. Bien sûr, j'y vais. Tout ce que tu voudras, Yvon. Je me demande si c'est vraiment éthique tout ça. Enfin, je me demande si c'est très bien de profiter d'eux comme ça. Bah, ils l'ont bien mérité, Elliot. En plus, ça va durer une seule journée. Une seule journée? Quel dommage! Je commençais à y prendre goût, moi.